ça en fait qu'on peut noter. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Oublie que t'as perdu tout ce que t'as fait.
que à la fois elle célèbre un deuil et à la fois elle célèbre la joie de la résurrection. Et si la chanson nous invitait à être heureux et à chercher à être heureux, et c'est vrai que si on le souhaite, ce n'est pas compliqué, un plus petit texte, un peu plus long peut-être, qui associe à la fois le deuil et la joie et le bonheur, c'est celui que j'ai envie de vous lire maintenant. Et il est effectivement bien dans cette ambiguïté que je viens d'entendre dans la chanson des jeunes de différents siècles. C'est un texte dans le milieu, et voilà ce qu'il dit. « Je n'ai jamais rencontré Salomé. Son si beau nom vient de l'hébreu Shalem, qui signifie « saint et sauf », dont la racine évoque l'intégrité, la paix et la plénitude. Un jour, la maman de Salomé me téléphone, je ne la connais pas. Elle me parle de sa fille qui est plongée depuis un an dans un terrible coma après un accident de la route. Mon enfant n'est plus qu'une plante, me dit-elle, mais nous l'accompagnons jour après jour de toute notre affection et de tout notre amour. Hélas, ce n'est plus une vie. Quand j'ai rencontré les parents, j'ai d'abord cru, dit le prêtre, qu'ils voulaient évoquer ce choix d'interrompre une vie pour prolonger artificiellement depuis des mois. Mais non. Leur décision était prise en concertation avec l'équipe médicale. Ils souhaitaient me voir pour préparer le dernier adieu et, si possible, vivre cette célébration dans mon prieuré. Au fil de la conversation, je comprends qu'ils sont loin des milieux paroissiaux, qu'ils n'ont aucune attache avec un lieu symbolique, mais qu'un adieu civil serait un peu court. Ils cherchent et me demandent une célébration spirituelle pluraliste, et que j'accepte, si possible, de la présider chez moi. J'ai dit oui, et j'en suis heureux profondément. Oui, j'en suis heureux profondément. Je n'imaginais pas que cet au revoir allait creuser en moi un chemin aussi vaste. La préparation de la liturgie était déjà d'une rare intensité. Des camarades de cours, des enfants d'enfance, des amis d'enfance, des proches de ses loisirs et des engagements, de ses engagements, m'ont apporté des chansons qu'ils voulaient faire entendre ou interpréter, des musiques, des textes, des témoignages, des propositions et des démarches rituelles. Dans l'église, outre la paille, des fleurs, des dessins, des photos, un écran et un piano, la chanson de YouTube, Moment of Surrender, qui ouvre ainsi la liturgie, donne le ton des premiers mots. Un moment d'abandon où Salomé se donne tout entière. Ravel, Baudelaire, Évangile, Mozart et Bernard Cohen vont se succéder au fil des témoignages et dans une tonalité tellement écuménique. La famille et les jeunes qui ont préparé y tenaient par-dessus tout. Cette liturgie en mémoire d'une amie aux cheveux d'or sur le rassemblement de nos tendresses et de nos regards. La laïcité était au rendez-vous, le christianisme aussi, mais je reste particulièrement marqué par la prière chantée en arabe par une jeune femme musulmane et par l'extrait du kaddish qu'une autre jeune femme, juive, avait interprété au bord du cercueil. Nous venions de déposer Salomé un moment sur la paille en quittant la crèche. Où... célébration, je vous salue et je vous exprime ma joie de vous retrouver après 3 mois d'intervalle. La dernière fois que je suis ici, c'était pour la célébration de Noël. Me voici de nouveau pour célébrer Pâques, célébrer Pâques de manière vivante et vivifiante. La célébration de la Pâque, c'est la célébration de la vie. Et en tant qu'être vivant, on doit être caractérisé par plein d'énergie, de vigueur, de mouvement, de dynamisme. Alors je vous invite à passer ce petit temps en tant qu'être plein de vie, dynamique,
plein d'énergie. Être vivant, être accompli sur la mort. Et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Scène 1. Un ange annonce la naissance prochaine de Jésus à Marie. Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : N'aie pas peur, Marie, car tu es la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Le Seigneur fera de lui un roi et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : Mais comment cela serait-il possible, puisque je suis vierge ? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. Alors Marie dit : Je suis la servante de Dieu, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Et l'ange la quitta. Jésus vint de Nazareth en Galilée, où il avait passé sa jeunesse, pour être baptisé par Jean le Baptiste dans le Jourdain. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Et une voix venant du ciel déclara : Tu es mon fils bien-aimé, je m'envoie toute ma joie. Tout de suite après, l'Esprit de Dieu le poussa dans le désert. Jésus y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et l'ange le servait. Scène 4. Jésus apaise une tempête. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples : Passons de l'autre côté du lac. Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans une barque. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point qu'elle se remplissait d'eau. Jésus, à l'avant du bateau, dormait la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors en criant : Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac : Silence, calme-toi ! Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples : Pourquoi avez-vous si peur ? Vous n'avez pas encore confiance ! Mais ils ressentirent une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres : Mais qui est contre cet homme pour que même le vent et les flots lui obéissent ? Ce qui allait bientôt arriver. Il leur dit : Écoutez, nous montons à Jérusalem où je serai livré au chef des prêtres et aux maîtres de la Torah. Ils me condamneront à mort et me livreront aux Romains. Ceux-ci se moqueront de moi, me cracheront sur moi et me flétront et me mettront à mort. Et après 3 jours, je me relèverai de la mort. Il se disait en effet : Alors Judas, un des 12 disciples de Jésus, alla proposer aux chefs des prêtres de leur livrer Jésus. Ils furent très contents de l'entendre et lui promirent de l'argent.
et Judas se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Lors, le soir de la fête de la Pâque, Jésus se trouvait avec ses disciples dans le jardin des Oliviers. Une foule apparut, armée de bâtons. Ils se saisirent de Jésus et l'emmenèrent à la maison du grand prêtre. Quand il fit jour, on conduisit Jésus chez Pilate. Celui-ci réunit les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple et leur dit: Je vais donc le faire fouetter, puis je le relâcherai. Mais les autres criaient de plus en plus fort: Cloue-le sur une croix. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il leur livra Jésus pour qu'il en fasse ce qu'il voulait. Il était 9h du matin. À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3h de l'après-midi. Jésus cria d'une voix forte: Après avoir dit ces mots, il mourut. Tous ceux qui étaient venus en foule assister à ce spectacle virent ce qui était arrivé. Alors, ils repartirent en se frappant la poitrine de tristesse. Un homme, appelé Joseph d'Arimathie, descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans un drap blanc et le déposa dans un tombeau creusé dans le roc. Le lendemain, jour du sabbat, tous se reposèrent comme la Torah l'ordonnait. Elles se disaient l'une à l'autre: mais qui va couler la pierre qui ferme l'entrée des tombeaux? Mais quand elles arrivèrent, elles virent que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée sur le côté. Elles entrèrent alors dans le tombeau et virent là deux anges qui portaient une robe blanche comme la neige. Elles furent effrayées, mais ils leur dirent: J'espère que tous nous avons suivi avec attention cette représentation. Nous allons essayer d'échanger sur sa signification et trouver comment la signification de ce que nous venons de suivre comme scène peut nourrir notre vie de foi, peut alimenter notre vie de foi. Il est mort pour Jésus. Jésus, et notre Jésus. Elle est encore dans le tombeau. Oh! Notre Jésus. Oh, Jésus cherche sa barbe. Voilà. Cher Jésus. Mais c'était quoi la représentation?
C'est quoi? C'était quoi? Le titre? C'est la mort de Jésus, non? La mort de Jésus. La résurrection. Excusez-moi, c'est la résurrection. La résurrection, ok. Vous avez déjà répondu, pas seulement vous, hein? Plus une autre personne. Voilà. Merci bien. La résurrection. Mais c'est quoi la résurrection de Jésus? La résurrection, ça veut dire quoi? Résurrection par rapport à quoi? C'est la résurrection. Oui, il est ressuscité. La résurrection, mais par rapport à quoi? À Jésus. Oui, mais à Jésus, c'est la résurrection de Jésus. Mais par rapport à quoi? À sa mort. Oui, par rapport à sa mort. Et mais pour parler de la mort de quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut supposer? Pensez au préalable à quoi? La mort de quelqu'un. On ne peut pas penser dans les vides comme ça, la mort. Pour parler de la mort de quelqu'un, il faut faire allusion à quoi? À sa vie. Voilà. La mort, la résurrection, la mort, la vie. Et quand on parle de la vie d'une personne, cette vie a un début. Cette vie a un début. Et quand est-ce qu'on se rend compte de la vie d'une personne? Par quoi? Par la conscience. Oh non, la conscience. Oui, moi, par ma conscience, je me rends compte de l'existence d'une personne, de la vie d'une personne. Mais quand est-ce qu'on peut se dire que cette personne la vit ou commence à vivre? Quand? De manière générale, c'est quand? J'étais ici il y a 3 mois pour célébrer quoi? Et Noël, c'est quoi? La naissance! Et aujourd'hui, c'est quoi? La mort! Et la résurrection. Donc, la vie de Jésus, généralement, nous parlons de la naissance. Mais, avant la naissance, il y a une période qui précède la naissance, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Il y a une... La logique des dieux, c'est que je peux intervenir, mais je ne peux pas intervenir sans vous. Vous devez donc collaborer. Voilà. Il faut collaborer. Quand on va chez le médecin, s'il n'y a pas de collaboration, eh bien, il n'y a pas de guérison. Il faut collaborer. Alors, Jésus qui prend notre humanité, il est né de la Vierge Marie, cet homme. Après la naissance de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Nos amis, c'était quoi? On est venu avec une bouteille d'eau là, c'était quoi? Hein? Baptême. Le baptême de Jésus, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Après lui avoir versé de l'eau sur la tête, qui l'a baptisé? Je sais pas. Saint Jean-Baptiste. Voilà, Jean-Baptiste. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Après le baptême? Ah, il a reçu un souffle de Dieu. Oui, et puis il y a une voix. Une colombe. Et puis la voix. La voix se fit en... Tu es mon fils. Certaines versions disent hein, tu es mon fils en qui je mets toute ma confiance. D'autres versions c'est celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà. Par le baptême, nous aussi, nous devenons enfants de Dieu. On n'est plus que chair, mais on devient esprit. Né de la chair, né de l'esprit. Mais de quel esprit s'agit-il?
C'est l'esprit qui caractérise tous ceux qui appartiennent à la famille des enfants de Dieu. Et c'est quoi cet esprit? C'est l'Esprit Saint. Et c'est quoi l'Esprit Saint? L'esprit qui dirige, qui conduit, cet esprit qui constitue en fait l'énergie de tous ceux qui appartiennent à la famille des enfants de Dieu, et c'est la loi de l'amour. Se laisser conduire par cette loi de l'amour. L'amour qu'on doit avoir pour Dieu qui le premier nous a aimés, et puis l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. C'est un amour qui est fondé, motivé, orienté par et vers cet amour que nous avons pour Dieu. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, hey, Sainte Marie, hein? Le miracle. Le miracle? Très bien! À part le miracle? Le désert, voilà. Et la tentation, les miracles, quoi encore, les élèves, l'humanité, hein, la tentation, le miracle, l'humanité, ben oui, ça fait partie de son humanité, quoi. Il a prêché, il a réalisé des miracles, il a été aussi tenté. Quand on devient chrétien, on entre dans le désert. Le désert, c'est la vie quotidienne, la vie chrétienne. Alors, la double signification du désert, dans la mentalité juive, le désert est le lieu du sacrifice, de l'endurance, du combat, un lieu d'apprentissage où on apprend à connaître Dieu. C'est le lieu où on doit se battre, mais c'est aussi le lieu de la proximité avec Dieu. Enfin, c'est le lieu de la proximité, le lieu de la communion avec Dieu. Alors la vie chrétienne est justement cette vie où nous rencontrons des tentations, c'est une vie où nous sommes appelés à fournir des efforts, c'est une vie où nous apprenons à devenir chrétiens, ça veut dire à devenir amis de Jésus. Aussi, comme tout chrétien, dans sa vie, nous arrivons à prodiguer de bons conseils aux autres, voilà, nous arrivons à consoler, à dire des bonnes paroles, hein, qui redonne la vie aux autres, hein, c'est ce que Jésus a fait. Il a prêché, il a guéri les malades, voilà. Hein, et nous aussi, il nous arrive de guérir des malades, hein, pas seulement les malades somatiques, physiques, mais aussi il y a des gens parfois qui sont démoralisés par certains événements, et quand nous leur apportons un secours, une bonne parole, nous leur apportons la guérison. Très bien! Comme qui? Comme un? Comme Jésus. Voilà. Et donc jusque-là, vous comprenez que je fais un parallélisme entre deux vies. La vie de qui? La vie de Dieu. Plus concrètement, plus précisément, la vie de Jésus et celle de? Ah, et celle de nous. Et celle du chrétien. À Jérusalem. Mais avant la mort, qu'est-ce qui s'est passé? Avant la mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été trahi. Trahi. Il a donné le pain, il a mangé avec. Oui, mais avant ça. Il s'est trahi par ses. Non. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il subisse la mort? Est-ce qu'il s'est trahi? Il s'est proposé à la mort? Non, il ne s'est pas proposé à la mort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Kidnappé? Non, pas kidnappé. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Qui ont décidé de sa mort? Qui ont décidé? Non.
dans... Ah, les grands prêtres. Ah, moi, hein, moi je suis petit prêtre. Les grands prêtres, ça veut dire que quand Jésus est arrivé, il a fait de bien, il a prêché la bonne nouvelle, l'amour et tout. Il a essayé de renverser un peu tout ce qui était tralala de la vie, hein, tout ce qui n'avait pas de profondeur, surtout sur du point de vue religieux, tout ce qui était superficiel. La vérité, parce qu'on faisait si de bien, on cherche à nous faire taire, ou bien on cherche à nous décourager. Mais Jésus a accepté la mort, pas parce qu'il voulait la mort. Jésus a accepté la souffrance, pas parce qu'il voulait la souffrance, il a recherché. Non, Jésus n'est pas masochiste. Hein. Non, c'est pas le masochisme. Jésus, c'est la détermination à faire le bien. Advienne que pourra. Quand on veut cueillir une rose, on fait attention aux épines. Mais les épines ne nous découragent pas. Parfois, de moments de ténèbres, mais aussi des moments de lumière, des hauts et des bas, mais c'est toujours la vie. Pour dire qu'il faut toujours garder l'espérance, le courage. La vie est un combat. Il est mort, mais il est revenu à la vie. Chers amis, qu'est-ce que Pâques peut avoir comme implication dans votre vie d'élève, dans votre vie d'étudiant, d'étude, dans votre vie scolaire? La joie, oui, la joie de quoi? Quoi encore? Un bon butin. Un bon butin, oui. La joie de vivre. La joie de vivre, mais aussi quoi? La détermination. Voilà, dans la détermination, il peut vous arriver d'échouer, c'est ça. Mais il faut garder toujours le courage, parce que après l'échec, si vous êtes déterminé, il y a quoi? La réussite. Il y a la réussite. Et le dialogue prime toujours sur la violence. Prions le Seigneur. Pour les enfants du monde, aie accès à l'éducation. Seigneur, nous te prions. Pour que toutes les personnes qui vivent dans les pays en guerre et l'insécurité trouvent la paix, prions le Seigneur. Pour que les personnes malades, en souffrance et en proie aux difficultés intérieures, trouvent l'apaisement et la santé, Seigneur, nous te prions. Pour que les familles de la difficulté trouvent la sérénité du chemin de l'amour, prions le Seigneur. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ,
ton Fils bien-aimé. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie de savoir que Jésus est ressuscité par sa résurrection, il nous a donné la possibilité d'être toujours dans la vie et en pleine énergie, échangeons un geste de paix, mais avec énergie. Avec énergie. La paix de Christ. Avec énergie. La paix de Christ. Oui, dans mes rues, c'est un lundi. C'est le mien. C'est vous. Si tu aimes Jésus, crie « Hourra !» Hourra !»
Si tu aimes, si tu aimes, si tu aimes Jésus, crie hourra. Hourra. Si tu aimes Jésus, compte 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si tu aimes Jésus, compte 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si tu aimes, si tu aimes, si tu aimes Jésus, compte 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Si tu aimes Jésus, reste debout. Si tu aimes, si tu aimes, si tu aimes Jésus, reste debout. Si tu aimes Jésus, mets-toi assis. Si tu aimes Jésus, mets-toi assis. Si tu aimes, si tu aimes, si tu aimes Jésus, reste assis. Si tu aimes Jésus, réponds-le tout. Si tu aimes Jésus, réponds-le tout. Si tu aimes Jésus, réponds le tout. Voilà, très bien. Bon, maintenant, vous allez vous lever pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous donne la grâce de reprendre notre vie, de nous ressaisir, même après les échecs, de nous remettre debout, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Présent dans nos cœurs, guide dans nos vies, sans qui le chrétien n'est rien. Nous vous souhaitons de belles fêtes de Pâques.